Ouais, très bien. Oh, mais c'est un gros skill. Donc, bonjour à tous, c'est moi, vous me reconnaissez. Donc, je suis là pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, ce sera un triple combat. Parce qu'en fait, j'ai une personne qui m'a envoyé un message perso qui m'a demandé si je pouvais pas faire un triple combat. Donc je sais pas si cette personne a piqué l'idée de quelqu'un sur YouTube. Mais en tout cas, si la personne a piqué l'idée, ben... Sachez que moi, je vais pas faire comme la personne. Parce que le gars m'avait dit que c'était El Kerbet, je sais pas quoi là, qui avait fait un triple combat. Sauf qu'il avait repris quelques toupies. Sauf que moi, je vais refaire comme moi, j'ai plus de toupies. Je dis pas qu'il a pas plus de toupies, peut-être qu'il a plus que moi je sais pas, vu que moi j'ai décompté, j'en ai 16. Non, plus, non, 17 plus le Kerbex Blade. Mais Kerbex Blade il compte pas. Il compte, mais sauf que lui, disons que lui, il est un peu facile à détruire. Comme tous les autres XTS qui ont. Comme tous les nouveaux modèles de XTS. Comme Pegasus Jumper, ceux-là, ils sont faciles à battre. Mais ça, on ne sait même pas pourquoi. Non. Donc voici les toupies qui vont. Donc voici les toupies de la première bataille. Le faux Unicorno contre Thermal Lacerta. Hasbro. Encore ensuite Big Bang Pegasus Takara Tomy Sonokon contre Gravity Destroyer Hasbro. Je veux pas péter. Ainsi que Bavette Horologium 145 WD Takara Tomy. Et bien sûr, enfin moi je suis la plus tempo. Et bah et les Basel Horologium jaune 145 VS, c'est une fusion qui a été faite à place du Basel Horologium. Mais ça vient de Sonokon, ça vient de Takaratomi. Là j'avoue c'est un peu, là j'avoue j'arrête pas de me moucher moi ce matin là, parce que j'ai attrapé froid la nuit dernière là. Donc voici les lanceurs que je vais utiliser. Donc j'utilise Takara et Hasbro quoi. Donc voilà. Donc tout ce qu'on peut dire, disons qu'il y a des Takara et des Hasbro, on fait qu'une pause dans la bataille. Donc là pour le moment comme vous voyez il y a quelques batailles qui sont Hasbro. Comme vous voyez il y a quelques batailles qui sont Hasbro contre Takara. Et même Hasbro contre Takara Tomy Sonokon. Regardez la preuve celle-là. Contre celle Sonokon contre Hasbro. Hasbro contre Fake. Bah, et Takara contre Sonokon. Bon, sinon, j'espère que certaines personnes d'entre vous n'hésitent pas à, hésitent à continuer leur vidéo. Et n'hésitent jamais à abandonner, quoi. Bon, moi, je pense vraiment que c'est bien, vous n'abandonnez pas. Certaines personnes n'abandonnent jamais. Comme Stardust Dragon Full. Elkerbeck du, je sais pas quoi, là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié la suite de son nom, je crois. Bastia Official. 91 220 Phoenix. Voilà.
Ben, ceux-là, je les soutiens de continuer leur vidéo parce qu'ils sont trop bien. Et aussi BLF11, Baby Libra, Pegafil. Ben voilà. Tous mes autres abonnés, quoi. Je suis pas sûr que BLF11, Baby Libra est un de mes abonnés, mais bon, je vais faire quand même de la pub. Donc voilà, je fais de la pub à ces super blader. Donc en premier je vais commencer avec ces deux-là. Karma Lazerta et le fake unicorno. Contre et après la deuxième bataille sera. Eh ben la prochaine bataille sera la bataille Pegasus contre Destroyer. Bon, alors tout ça sera en musique bien sûr. Ça fait longtemps que j'avais pas mis une musique de Mario Kart 7. Et ben voilà. Donc bien sûr, ils seront repartis en plusieurs musiques, bien sûr. Donc je vais choisir trois musiques. Et ces musiques, par contre, il va falloir que je les garde. Voilà, je vais choisir ce petit mot remix là. Vaut mieux pour la dernière bataille ou pour la deuxième. Excusez-moi, je suis malade. Yeah. Bon, ensuite, je vais choisir celui-là. Sonic Adventure 2, For True Story, Sega Genesis Remix. Pour la première, pour la dernière. Moi, je sais quelle bataille je vais choisir pour la première. Voilà! J'ai trouvé! La musique de Mario Kart 7, c'est pour la dernière bataille. Voilà. C'est bon, j'ai choisi. J'ai choisi. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais filmer. Attendez une minute. Pas voir le stadium complètement.
meilleure bataille complète. Donc c'est le fait qu'Unicorno qui a gagné. Seconde bataille. Gravity Destroyer, rotation à gauche contre Big Bang Pegasus. Allez, c'est parti maintenant.
Piketty qui a quand même gagné la dernière manche, mais c'est Destroyer qui remporte le match. Donc là, c'est la dernière bataille. Bon, allez, petite musique un petit peu sympa là. Hey, let's go for the last battle. Thank you.
Bon, on s'est bien amusé, on s'est bien diverti, mais là, c'est la fin. Donc aussi, t'auras tellement aimé continuer. Oui, aussi, juste pour faire passer un petit message. Je vais prononcer bien une fois. Arrêtez-moi cette foutue guerre, caca, putain de moi! Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Tu dis quelle heure, non? Mais personne? Est-ce que voilà, oui, alors? non, pas là. Au revoir. Et un petit truc. Je dirais à chaque fin de ma vidéo, j'ai pas besoin d'un toupie pour le faire. Vous soyez Takara ou Agro, il faut quand même tirer la guerre. 3, 2, 1, hyper vite. Ah! Brutus de Logis! Yeah, Brutus de Logis! Ça m'a fait mal! Hey, ne me dites pas que vous avez cru qu'au moment où je me branlais! Bande de catalyseurs! Que vous soyez Takara Pro, 3, 2, 1, hyper vicieux! Et que vous soyez Pro, vous avez été full Takara, hyper vicieux! La même ou qu'on shoot! Et toujours les fruits du blazer! Que vous soyez Takara Tomis ou Asbroteux, ou Faker! Je vous dis quand même 3, 2, 1, hyper vitesse!